En cette fin d'année, le musée de Borda propose aux visiteurs de découvrir une exposition qui retrace la collaboration entre Jean Vilar et Léon Gisquiat. L'exposition que nous avons au musée de Borda actuellement raconte l'histoire professionnelle et d'amitié de deux grands artistes français qui ont compté dans le paysage culturel, à savoir Léon Gisquiat et Jean Vilar. Créateur du TNP, plus connu à Avignon. C'est vrai que leur œuvre a été bien plus vue là-bas. Donc c'est cette histoire, cette rencontre et les échanges, leur collaboration pour créer le théâtre, le TNP qu'on connaît aujourd'hui et qui a fait école et qui continue d'exister encore aujourd'hui. Plus connu pour son œuvre de peintre, le musée de Borda met ici en lumière la contribution de Léon Gisquiat au théâtre. Alors Jean Vilar a vraiment révolutionné le théâtre d'après-guerre, mais Gisquiat était vraiment là dans les coulisses en fait, hein, il participait à donner toutes ces orientations-là nouvelles dans le théâtre, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle cette esthétique TNP, ce décor minimaliste, vraiment épuré, parce que c'est pas du tout ce qui se faisait à l'époque, ça c'est Gisquiat qui lui souffle, voilà, cette esthétique particulière avec cette lumière blanche qui permet vraiment de ne pas trahir les couleurs des costumes, puisque ces costumes-là sont créés par des peintres, donc sont vraiment des créations originales. Ça aussi, Vilar en était très fier d'avoir des créations pour chaque pièce. Il ne reprenait pas des costumes, voilà, il créait une musique sur mesure. C'était vraiment une œuvre collective avec un peintre, un musicien et un metteur en scène. À travers cette exposition, le musée de Borda vous propose de découvrir ou de redécouvrir le Dacquois de naissance Léon Gisquiat. Oui, il est dacquois et dans les années 60, il part pour l'Italie parce que sa famille est d'origine piémontaise. Il s'installe à Venise. C'est peut-être pour ça que les dacquois l'ont parfois un peu oublié et retiennent simplement l'artiste à travers le nom de cette école maternelle que nous avons sur Dax, l'école Gisquiat. L'exposition se tient au musée de Borda jusqu'en mars prochain.